On commence directement la journée avec une croisière sur le fjord de Geiranger. On était il y a quelques jours à Trolltunga, la langue du troll. On est aujourd'hui à Trollstigen, l'échelle du troll. C'est une route très sinueuse qui descend dans une vallée, elle est hyper iconique en Norvège. Mais malheureusement, elle est fermée parce qu'il y a eu beaucoup d'éboulements, donc c'est fermé pour toute la saison. L'avantage, c'est qu'on le savait déjà, donc on a pu aménager notre itinéraire. Et on a aussi le soleil qui est de retour. On a pu enlever les pulls, il fait à peu près 20-25 degrés, c'est super agréable. Et donc on est sur la vue, sur les hauteurs de la route, on va vous montrer ça, c'est super beau. Sur cette route embrumée, on égare quelquefois l'esprit léger. D'autrefois, les couleurs des feuilles ambrées qui tombent à nos pieds nous laissent songer au futur, pleines enneigées. Et le temps file, tout se dessine à l'encre de nuit, sous cette lune nos pensées. Après de multiples cascades et tunnels traversés, on dort ce soir dans mon type de logement favori, une cabane en bois bien rustique dans la ville de Andalsnes. Et on a même un barbecue qui nous attend dehors. Allez, à demain pour la suite! On se réveille tranquillement au milieu de la ferme dans notre cabane avant de reprendre la route vers l'océan. Under the surface, you don't know what you'll find. Until it's your time. No second chances, but all we can do is try. I made up my mind. I can't see you. But I hear your call, baby, hold on now. We're going home. If we make it or we don't, we won't be alone. When I see your light shine, I know I'm home. If you're waiting on your light,
On est au point le plus au nord de notre voyage sur la route de l'Atlantique, juste au bord de l'océan. On a déposé nos bagages au Airbnb et on part en petite randonnée dans la vallée de Innerdalen, qui est apparemment réputée pour ses gaufres, donc on espère arriver à temps pour pouvoir les goûter. Gloria, I smell it on your breath. Gloria, booze and peppermint. Gloria, no one said enough is enough. Vous pensiez qu'on aurait fini la journée sur la gaufre? Eh ben non! On a mangé une pizza juste après, mais je ne l'ai pas filmé. Allez, à demain. Aujourd'hui, on débute notre descente vers Oslo. Et là, on s'est arrêté à Snøhetta Viewpoint. Donc, on va faire un petit pique-nique et surtout voir la vue. L'architecture est vraiment unique à chaque point de vue et c'est d'ailleurs souvent en collaboration avec des artistes. Et là on arrive à Sølvbergplassen, juste avant notre destination finale de la journée qui est Lillehammer. Donc arrivé à Lillehammer, on voit bien qu'on est redescendu dans le pays puisque le soleil se couche beaucoup plus tôt que d'habitude. Là on est dans notre nouvel Airbnb et on se donne rendez-vous dans le prochain épisode.